Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rickel le Poissard sur CK2. Salut tout le monde, allez on reprend notre petite partie, l'armée, on est... Que j'ai pas d'été ma dynastie, hein, parce que bah, les trois Gugus sont tous morts, ils étaient mon dirigeant. Oh putain, fait chier, lui, alors lui voilà. Et le mec que je joue, c'est quand même mon quatrième personnage depuis le début du jeu. Hein. Voilà, et là tu remarqueras, je sais pas si tu as... Est-ce que tu peux regarder dans les armées, dans les mercenaires? Est-ce que tu vois Fafila tout en haut? Alors, Fafila. Dans les mercenaires. Une bande vénitienne. Bande vénitienne, attends. Bande lombarde, bande sarde, saxonne, finnoise. Oui, Fafila, la bande vénitienne, je la vois. Voilà, écoute, et ben. C'est... 29,5 seulement? Ouais. Enfin, faut dire que c'est pas grand chose. Hein. Bon, il y a 18 mecs. Mais elle est à nous. C'est pour ça. C'est une bande qui est à moi. Que je l'ai montée. Aïe, un coffre vide. Comment ça, coffre vide? Des vassaux, on va démobiliser tous des vassaux. Ça fait pas qu'ils sont fourmant la gueule. Hop. Hop. Non, ça, est-ce qu'il y a des trucs à... Je prends tous les comptoirs commerciaux actuels qu'il a. Giorgio est très pauvre. Mais que dalle! Giorgio, j'ai quand même pas condamné mon fils. Ah non. Ah, je vais le faire emprisonner. Oui, non, oui, pas de soucis, mon fils. Emprisonne, emprisonne. Ah, j'ai ramené mes navires aussi parce que. Ah. Peut-être mes navires qui me coûtaient un peu de fric. 94%. Est-ce que tu accepterais mon offre de paix? Non. Bon, on va prendre le dernier comptoir commercial qui traîne. Non. Matériellement. Si, on peut. 99, offrir la paix. Non, toujours moi, pas. Je suis à 54%. 57, contre Zadar? Ouais, enfin, pour récupérer Diadora, faut récupérer carrément la cité. Parce que toi, c'est juste un comptoir. Moi, c'est carrément ouais. Faut la cité. Oui, mais c'est... autre chose. Alors réclamer 250 pièces d'or. Allez, on va raqueter. Et leur fusée. Enculé ! De la paix. Agitation d'épuisant. Voilà. On crame tout le monde. Comme ça, ils font plus la gueule. Les portes. Est-ce qu'il y a... Non, j'ai encore une maladie, on va quand même continuer. T'as combien toi, un score de guerre? 64%. Ah ouais. Ça, monte, ça monte que de 2,5% par mois aussi, je rappelle. J'ai bien, moi je suis à 99. Et toi, faut que t'attendes 3 ans que la guerre soit finie. Après, tant que je ne reprends pas le comptoir, moi je m'en fous, hein, c'est dû à la guerre. Oh oui, mon pareil. Là. J'ai l'impression que les dirigeants ils meurent comme des mouches là. Bah, t'es au courant qu'il y a juste une peste ou un truc comme ça. Ah oui, c'est pour ça, voilà. Hop, hop, hop. Putain, mes troupes là, ouch. Bah, je prends ce territoire là et je démantèle mes troupes. Voilà, ok. Le pauvre empereur byzantin il s'est bouffé par, la République de Venise. En gros, c'est IRL, mais. Et plusieurs siècles plus tôt, quoi. Exactement. T'as conscience que le sac de Venise, c'est... enfin, le sac de Constantin par Venise, c'est 1204, hein. Pas en l'an 800. L'armée. Écoutez la flotte des vassaux pour la ramener là. Oh non, je dois pas mourir de douleur aiguë au niveau du bide. Pas maintenant. Je dois mourir maintenant, pas au bout de 10 ans, de 20 ans de jeu. Avec mon dernier mec. Ah, surtout que je suis à 84% de gagner la guerre. Ouais, regarde, je te donne un poste d'intendant en plus. Il va mourir au moins de passer intendant. Je suis intendant, ah, je suis mort. Bon, d'accord. Le mec arrive, je suis intendant. Oh, et toi, il se vide des boyaux en pleine séance du conseil. Non, non, merde, t'abuses. 87%, allez. Eh merde, fièvre lente, 91%, allez. Comment ça se fait que j'ai... Comment ça se fait que j'ai une si peu de fric, là, 2,60? Bande familiale.
je sais pas. Du pognon. Domaine 0. 0 par ma baraque, 0 par le truc où... Ah putain, ça va être la maladie ou un truc à la con, là. Fièvre lente, ouais. J'ai exterminé. Troubles civils, modificateur local d'impôt. Comment ça, trouble civil, moi, 75% d'impôt. La compte Taras. Et à l'autre. Ça veut dire combien de temps, cette connerie, encore? En 787, putain, encore 9 ans, pas un rêve. Pas une thune qui rentre, quoi. Allez, prochain mois, je gagne cette guerre, allez! Pouf! Merci pour la cité, connard. Bien, ça. L'intendant. Enfance en intérêt d'enfance. Ma fille. Qui est déjà promise au mariage. Devoir. Hop. 99%. Le problème, c'est que moi, avec ma chance légendaire. Ouais, quoi que t'as de raison, il a combien de guerres civiles? Une, deux, ouf, non, un, deux, trois. Il a trois guerres civiles. Dans un an, c'est bon, ce sera 100% score de guerre, donc du coup, par contre, il faut absolument que ma femme, là, on fasse un gosse, hein. Ah, 100%, non, ça c'est là. Et comment tu sais que c'est 3 ans ou... Parce que la raison du jeu, tu vois, c'est le score... Ah oui, à plein fin, mec. 99%. Ah oui, j'ai pas remporté de bataille, ouais. 99%. Voilà. Okay. Ah oui, parce que sinon j'ai plus 399,98%. C'est ça. Oui, d'accord. Donc c'est juste qu'en fait, il manque un tout petit peu. Ouais, 2 ans et 2 mois. 10 mois à tenir. Combien j'ai d'armée. Vu son état, t'inquiète pas, il va pas venir t'emmerder. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Putain, j'ai pas une. Ah ouais, en fait, déclarer la guerre quand il y a les... quand il y a une peste ou un truc comme ça, c'est pas la meilleure idée de la création. Ouais, après Rimini, ça va être pas mal ça, Rimini. Ce qu'il faut, c'est qu'on récupère le monopole sur le golfe de Venise. Je pense que c'est ça qui nous fout dedans un peu. Et si on regarde ici, quoi que, putain, la gueule des valeurs marchandes de ces territoires. Kéti. Et... Ah, donc t'as récupéré la cité de Zadar. Ça, c'est bien. Et théoriquement, la cité de Zadar, c'est entre guillemets ton territoire, ton vassal, donc même si tu meurs, je crois que tu le gardes. Là où Venise, je crois que c'est du tournant en Venise. Ah, je pourrais me conseiller de faire des claims et carrément revendiquer Venise. Enfin, pas Venise, la Croatie. D'accord. Ouais. Bah en fait, tu pars de ça, tu fais un comptoir, ensuite tu claims la ville, et ensuite de la ville, tu peux claimer le comté, et du comté, et tu montes comme ça, et c'est comme ça des fois que voilà. Tu crées un empire territorial. C'est-à-dire que nous, techniquement, quand bah, la Lombardie se décidera à éclater, qui n'a pas l'air d'être le cas, ou même oui, si ce serait. Après, c'est vrai que l'avantage de la Croatie, c'est que c'est pas le. Ça dépendrait de la Serbie. Nous allons voir, nous allons voir. 99%. Deux ans et neuf mois, non, trois mois. En hommes, fais chier. L'armée, combien ça me coûterait? Combien coûterait d'entretien? Ah, 218 hommes. T'as vu le coût d'entretien de la bande vénitienne? Non. 1,41. Bon, il a que 218 hommes, mais... Faut que je développe mon palais, moi. Par contre, Agus est en train de mobiliser ses troupes. Maître espion. C'est bon, 3 ans, c'est bon, t'as 100%. Ouais, vite, vite, vite. Hop, voilà. Donc, non, pas vasseux direct. Attends, c'est quoi ce... Non, mais attends. Non, mais attends. Non, mais... Quoi? La guerre commerciale entre Venise et Empire Byzantin pour le comptoir de Rimini s'est terminée de manière indécise. Le seigneur Lige a changé pour... Bah parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déclaré la guerre au mec, mais comme au moment où j'ai cliqué sur valider pour accepter bah, la fin de la guerre, il a fait la paix et c'est un autre mec qui a pris le pouvoir. Donc c'est vrai que la guerre n'était plus valable. Putain, je suis blasé, quoi. Je fous ta gueule ou pas, là?
Non, vas-y, fais-toi plaisir. On va ouvrir les portes pour à peine. Je vais laisser rentrer un... Ah putain. Oh mais sérieux. Je suis blasé, quoi. Je suis blasé. Je me suis ruiné, j'ai plus une thune. Oh là 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 là, là. Fait chier. Oh bah par contre, Galbayo. Galbayo. Quelles sont tes relations avec moi? 22. C'est quoi? Est-ce que t'as un poste, toi? Non, t'es un peu une merde. Il peut pas baiser ce con et avoir un gosse. Voyons. Bon, je vais faire un tas de séduction là très vite. La vertu. Le tuer, le doche, machin truc. Chancelier Galbayo. Oh bah ça va, tranquille. Donc, un patricien. J'ai un patricien qui veut me tuer. Patricien Jacopo de Orsolo. Jacopo de Orsolo. Il est quoi, lui? On va lui emprisonner. Clic droit. Emprisonner. Voilà. Clic Attends, droit. attends, attends. Exécuter. Non. On va le foutre aux oubliettes. Jeter aux oubliettes. Oui, jeter aux oubliettes, c'est pas mal ça. Diplomatie moins 20, santé moins 2. Allez, dégage, connard. Elle est sûre qu'il a plus beaucoup de prestige, le mec, hein, que les oubliettes. Ouais. Je sais pas si ça a un impact les oubliettes sur les. Ah bah si, ça dit que le prestige, ou du coup, en respect, le mec est oublié à 158 en prestige seulement. Prestige. Ah ouais, c'est marrant ça. 79. Toi, t'as disparu, mon gars. Ça t'apprendra à comploter contre moi. Ensuite, non, je veux surtout pas te libérer. Combien tu me rapporterais si je te libérais? Rançonner? 25 pièces d'or. Non. Et si tu le bannis? Quoi? Révoquer un titre en train de comploter, donc par Eh contre. putain! Fin de la game pour moi. Mon Non. quatrième mec, la game, elle a duré 25 ans. 25 ans. J'ai eu 4 mecs qui sont morts sans pouvoir baiser une fois. Sérieux? Sérieusement! Je 21 ans de jeu pour en arriver là. Sérieusement! Ah putain! Attends, ah putain, mais t'es un putain de chat noir, toi! Bon, c'est une maison patriarcale. Ah putain! La maison s'est éteinte. Alors j'ai rien fait, j'ai même pas eu le temps de. Oh là là, mais quel truc! Oh mais quel. Ouf. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bon, après, c'est vrai qu'en contrepartie, c'est moi qui avais récupéré le. La cité de Zara. Ah ouais. Ah mais c'est vicieux parce que je crois que la cité de Zara, je crois que toi. Ah, attends, je crois qu'il y a une histoire. Quand t'as une cité, bon, parce qu'il faut meubler un peu l'épisode, je crois que t'as un truc vicieux, c'est que toi, quand tu chopes la cité en tant que patricien, la pa cité appartient à ta famille. Mais je crois que quand tu deviens doge, tu deviens doge de Venise, donc la cité, elle à toi, elle bascule en tant que vassal de Venise. Mais si tu perds ton titre de doge, c'est le nouveau doge qui récupère ta cité que tu t'étais montée. Ouais, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais après, bon, techniquement, regarde là, tu vois, par plat, on est en mode gentil. Regarde, mon héritier, il a 1660. Là, j'ai Maurizio Galbayo qui est derrière. Bon, lui, je l'emprisonne, je torture, je montre. Tu sais, tu pointes un assassinat et le mec, tu le dessoudes. Et tu peux te retrouver très facilement avec une république à toujours être le doge, en fait. Donc voilà. Bon, bah, les gens, sur ce, on va s'arrêter là, cette brève mais intense série. Avec Sirika et le boulet. Bah, qui a quand même fait quelque chose de bien, mais qui a pas eu de bol, comme d'hab, quoi. Ah mais là, je veux dire, le premier mec est mort assassiné, c'est qu'on se suspecte, les trois autres sont morts de maladie. C'est trois Non fous, mais ils sont tous trois sérieux, morts de maladie sans pouvoir avoir d'enfant. Non La mais honte. le poissard quoi. Donc Ah. voilà. Bon bah les gens, on s'arrête là, on vous dit bye bye et à demain pour sûrement la suite d'une nouvelle série. Allez, ciao tout le monde. Au revoir les gens.